allez tous bien? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une petite présentation de mon mini frigo. Donc voilà, j'ai craqué pour ce mini frigo, du moins mon chéri me l'a acheté. Je vais tout vous dire où il l'a trouvé, à quel prix, ce que j'ai mis à l'intérieur, comment il fonctionne, etc. Franchement, je suis trop contente. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Ça se présente comme ceci. Donc c'est arrivé bien sûr dans un carton. Donc ça a été acheté en magasin. C'est tout simplement un réfrigérateur et chauffage pour cosmétiques. Franchement, c'est plutôt pratique. Ça, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai voulu en avoir un. J'ai essayé d'en commander un sur Makeup Revolution parce qu'ils avaient fait une présentation avec des make-up, etc. Enfin, du make-up, etc. Mais en fait, c'était pas du tout disponible. Ça se vendait pas. Et je crois qu'en plus, ça se vendait que à l'étranger ou je sais plus trop quoi. Enfin, bref. En tout cas, là, je pense que ça redevient. Enfin, ça vient à la mode. Ça redevient ou ça vient à la mode, je ne sais pas. J'en ai pas vu beaucoup. Défiler sur les réseaux, donc je sais pas, mais en tout cas moi j'étais trop contente de l'avoir trouvé chez Jiffy. Donc voilà, mon chéri l'a acheté chez Jiffy. Donc c'est dans un carton comme ceci, il n'y a qu'une seule couleur de dispo il me semble. Je vous mettrai en lien, en barre d'infos le lien pour pouvoir l'acheter sur le site, ou alors vous pouvez aller directement en magasin le trouver. Donc c'est un réfrigérateur à cosmétiques qui est garanti 2 ans, donc gardez bien le ticket de caisse. Et il se présente comme ceci, donc là vous avez le petit dessin avec le frigo, etc. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait exactement, enfin vous dire du moins. Il a la capacité de rangement de 4 litres, donc il y a quand même pas mal de choses à mettre à l'intérieur. La température est de 5 degrés à 65 degrés, donc comme je vous disais, il peut être froid comme chaud. Vous avez une poignée de transport, mais je vais tout vous montrer. Et vous avez un intérieur compartimenté. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est de la marque Hyundai, donc la marque Jiffy, hein. Donc il a coûté 25 € puisqu'il était en solde à moins 50%. Normalement, il coûte 49,99 €, mais à moins 50%. En ce moment, c'est les soldes, donc profitez-en. Il est à 25 €, franchement... J'ai dit à mon chéri, achète-le, franchement, il n'est pas cher du tout. Donc du coup, il se présente comme ceci, donc il est branché, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Peut-être, peut-être pas. Mais il est branché, donc ici, je vais vous montrer derrière directement. Donc vous avez un bouton ici, donc le vert, c'est le froid, le rouge, c'est le chaud. Bien sûr, moi, je l'ai mis au niveau du froid. Vous avez aussi, pour le mettre au milieu, pour l'éteindre. Et ici, vous avez la prise murale. Et vous avez même une prise pour l'allume-cigare, donc pour le mettre dans la voiture que j'ai ici. Donc ça, c'est plutôt pratique. Après, je vous avoue que même si vous le prenez dans la voiture, je ne sais pas trop ce que vous allez mettre dedans. Sauf si vous voulez l'emporter pendant les vacances pour que vos voilà, je vais y arriver. Pour que vos produits cosmétiques restent frais, vous pouvez le brancher dans la voiture le temps d'arriver à vos vacances. Donc voilà, il y a le fil inclus avec pour l'allume-cigare, donc que je pose sur le côté, puisque si jamais moi je l'utilise, ce serait pas mal. Ensuite, vous avez du coup la prise que moi j'ai déjà branchée. Je trouve que la prise est assez longue. Après, moi je ne l'ai pas mis très très loin de la prise, donc c'est plutôt pas mal. Donc il se présente comme ceci, il est quand même assez grand. Donc comme vous entendez, j'ai des produits, mais en même temps, un frigo, vous ne l'utilisez pas, enfin vous ne le manipulez pas. Donc là, comme je le lève, je le baisse, je le tourne, forcément ça tombe. Donc il est blanc et rose comme ceci. Donc la porte, je la trouve vraiment très mignonne. Donc en fait, elle s'ouvre comme un frigo avec une petite poignée. Je vais juste ouvrir, regarder s'il n'y a rien qui tombe. Voilà. Et en fait, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez un côté avec un gros compartiment et une petite grille qui était inclue avec. Et sur le côté, vous avez également un petit compartiment pour mettre des petites choses. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur de ce petit frigo. Donc, on va commencer par ce que j'ai mis en bas du frigo. Je me suis mis comme ça, ce sera plus simple pour vous de m'écouter et de regarder en même temps. Ici, j'ai mis mon masque de chez Coco Wow, de chez Hello Body. Je me suis dit que quand il serait plus frais, ce serait vraiment pas mal. Il est à l'argile et franchement, il sent hyper bon. Et je pense que ça peut être très rafraîchissant de le mettre au frais et de pouvoir l'utiliser quand il est très frais. Et là, je l'ai allumé il n'y a pas très longtemps. Il est déjà vachement froid, le frigo. C'est vraiment pas mal du tout. Après, il faut vraiment s'habituer au bruit. Je ne sais pas si dans les prochains jours, je vais m'habituer au bruit. Je ne l'ai eu qu'aujourd'hui. Donc, à voir dans la nuit aujourd'hui si ça ne me dérange pas. Après, ce serait bête de l'éteindre la nuit, de le rallumer la journée. Je pense que ce n'est pas très, très bon pour les produits. Donc, je vais essayer de m'habituer comme je peux. Ensuite, j'ai mis également des petits patchs pour les yeux. Ça, c'est vraiment bien pour rafraîchir au niveau des yeux. C'est vraiment pas mal au frais comme ça. Donc, c'est juste des 2 patchs comme ça que... Oula, c'est très, très froid. Ça fait hyper du bien. Donc, du coup, j'ai mis ces petits patchs-là qui viennent de chez Beautiful Box. Donc, de la box. Donc, Hello Body, je vous ai dit. Ensuite, j'ai mis également ma petite crème de jour. Comme ça, au moins, le matin, ça me rafraîchit quand je fais...
mes petits soins. Au moins, je mets ma petite crème de jour et ça, vraiment, ça rafraîchit le visage après une nuit. C'est de la marque Polar. Elle est presque terminée d'ailleurs. Donc, je suis trop contente. Elle est vraiment top. Ensuite, j'ai également mis un nouveau sérum. Donc, c'est celui de chez Lidl de la marque Sienne que je n'ai toujours pas testé. Et je l'ai mis au frais du coup pour pouvoir le tester. C'est un 30 ml. Donc, c'est un sérum duo acide hyaluronique pour peau en manque d'hydratation. Donc, ça peut être plutôt pas mal. Alors, moi, il faut savoir que le sérum, j'utilise le même pour le matin comme pour le soir. Donc, ça ne me dérange absolument pas de l'utiliser tous les jours. Ensuite, pour terminer, en bas, j'ai mis également un roll-on comme ça. Et franchement, ça fait hyper du bien quand il est vraiment frais. Là, pour vous dire, il est vraiment très, très froid. Là, cet été, ça va être génial quand pour vous rafraîchir ou quoi. Franchement, ça, c'est une très bonne idée de mettre ça là-dedans. Je vous avoue que j'ai triché un petit peu sur les youtubeuses qui ont mis déjà ça dans leur petit frigo. J'ai regardé quelques petites vidéos, mais ça, c'est vraiment une très, très bonne idée. Donc, du coup, j'en ai mis deux. J'en ai mis un en haut et un en bas. Comme ça, si je veux l'utiliser pour deux crèmes différentes, ben, pourquoi pas. Donc, du coup, j'ai mis ça aussi. Au niveau du haut, donc bonjour Pompon qui passe par là, bien évidemment. Et mon fils. Hop là. Bah oui. Donc au niveau du haut, je vais juste remettre hop, en bas mes petits trucs. Franchement, ça a rafraîchi hyper bien. Alors bien sûr, j'ai pas mis énormément de choses pour commencer parce que je voyais pas l'intérêt de remplir beaucoup, beaucoup le frigo. Il y a quand même de la place, mais il faut quand même que ça reste frais. Donc du coup, pas remplir beaucoup. Au niveau du haut, du coup, je vous parlais. Hop là. J'ai mis mon deuxième roll-on. Alors, je crois que j'en ai un dans une box et un chez Action, je crois. Je sais plus. Ou les deux dans une box, je sais plus. Mais pareil, j'ai mis un deuxième roll-on. Franchement, c'est trop, trop frais. Ça, pour faire, par exemple, la crème de nuit ou l'autre, la crème de jour et vice-versa, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, celui-là, je l'ai eu ouais, dans une box, donc My Little Box. Et l'autre, je crois que je l'ai eu dans une autre box, je crois. Je sais plus. Donc, voilà pour ce que j'ai mis en haut. J'ai mis également mon petit baume à lèvres que je mets tous les jours pour travailler. Et je me suis dit que s'il était un petit peu plus frais, ça pourrait hydrater un petit peu plus mes lèvres. Donc du coup, je l'ai mis au frais. J'en ai mis un petit peu ce matin. Et ça fait hyper du bien aux lèvres. Donc du coup, j'ai pris celui-ci de chez The Body Shop. J'ai également mis deux masques parce qu'en fait, au niveau de la porte, tous les masques ne rentrent pas. Donc là, j'ai mis des masques pour le visage. Et je pense que faire un masque rafraîchissant qui est très très frais, ça peut être vraiment bien pour la peau. C'est vrai que moi, mes masques sont tous dans un tiroir. Et quand je fais un masque, il n'est pas forcément frais. Et là, pourquoi pas tester? Franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai également mis mon petit sérum pour les yeux. Donc, mon petit contour des yeux. Pour rafraîchir les yeux, ça, c'est vraiment pas mal aussi. Donc, je l'ai pris celui de chez Yves Rocher, le bleu, le pur bleuet. Je ne l'ai pas encore testé. Mais c'est vrai que là, je l'ai à peine rempli aujourd'hui. Enfin, hop là. Je l'ai à peine rempli aujourd'hui mon frigo, donc je vais tester ces produits vraiment frais et on verra ce que ça donne, mais j'ai très très hâte. Et pour terminer, au niveau du haut, j'ai mis également une crème de chez Clinique. Hop, donc une crème de chez Clinique parce que quand je vais terminer ma petite crème de jour là qui est en bas de Polar, je vais attaquer sur celle de chez Clinique et franchement, je pense que frais, ça pourrait être pas mal aussi. C'est, je sais plus trop ce qu'elle fait celle-là, mais je l'ai eu en échantillon chez Sephora. En échantillon, en solde. En solde chez Sephora et du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais déjà eu par ma sœur et franchement, je l'ai bien kiffé cette crème. Donc du coup, j'ai mis celle-là aussi. Pour revenir au niveau du frigo, donc vous avez une grille qui est inclue avec le frigo. C'est à vous de la mettre. Donc elle est, vous pouvez également ne pas la mettre. Hein. Mais c'est vrai qu'avoir deux étages, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je l'ai mise. Elle est blanche comme ça. Elle est un peu dure à mettre, mais au moins, elle tient. J'ai vu des frigos qui venaient pas de chez Jiffy où le truc se cassait la figure à chaque fois. Là, franchement, ça tient du tonnerre, quoi. Donc du coup, franchement, c'est très pratique. Donc je vais remettre mes petits produits soins. Alors pareil, là il me reste énormément de place, mais je vois pas ce que je pourrais mettre pour le moment. Après, quand je vais utiliser mes masques, je referai un renouvellement. On va se concentrer sur la porte. Alors pour la porte, elle se présente comme ceci. Vous avez également un petit compartiment et ça, je trouve ça pas mal du tout. Alors j'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus large parce que je peux pas mettre beaucoup de choses dedans. Là, j'ai mis des patchs pour les yeux parce que faire ça frais, comme je vous disais, celui d'en bas là, je les ai mis au frais. Je les ai eu, je crois, dans une box aussi de la marque Grace et Stella. Donc moi, j'aime beaucoup faire ça quand... quand je suis de repos, que j'ai envie de m'hydrater les yeux, etc. Et j'ai mis également un de chez Action, également pour les yeux. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi. Et puis, comme je ne peux pas mettre beaucoup de choses sur ce côté-là, j'ai vu sur des photos où ils pouvaient mettre des lingettes
Mais moi, je trouve que... Enfin, je sais pas si ça passe des lingettes parce que c'est quand même assez large les lingettes. Donc bon, à tester pourquoi pas par la suite, genre les lingettes démaquillantes ou quoi. Mais moi, je préfère mettre les masques. Au moins, comme ça, j'en ai beaucoup au frais. Donc voilà comment il se présente. Vous le fermez, vous l'ouvrez. Franchement, pour qualité-prix chez Jiffy, ça vaut vachement le coup. Après, je vous dis, le bruit est quand même assez fort. Vous avez ici le petit ventilateur. Voilà, c'est super frais. À l'intérieur, vous mettez la main, c'est super frais. Donc, je vous rappelle, le vert, c'est pour le froid. Le rouge, c'est pour le chaud. Alors, ils disent que vous pouvez l'utiliser pour les médicaments aussi. Donc, ça, c'est bien. Quand vous avez des vaccins, par exemple, vous pouvez le mettre au frigo. Et le chaud, c'est tout simplement pour la cire, pour les huiles, etc. Mais bon, moi, j'ai pas l'utilité d'utiliser en chaleur. Donc, du coup, je le mets en fraîcheur. Et c'est beaucoup plus... moi, je trouve que c'est mieux de le prendre en fraîcheur parce que vous pouvez mettre beaucoup plus de choses au frais qu'à la chaleur. Donc, du coup, voilà. Moi, j'adore ce petit frigo. Donc, je remercie encore mon chéri de me l'avoir acheté. Il est vraiment pas mal du tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez un petit frigo aussi. Est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Ça pourrait peut-être m'aider par la suite pour mettre d'autres produits. Pourquoi pas? C'est vrai que j'aurais bien préféré mettre une petite lotion ou un truc comme ça. Mais les flacons sont quand même assez grands. Mais voilà. Pour le moment, je me contente de ce que j'ai mis dans mon petit frigo. Et je suis très contente. Donc voilà pour cette vidéo sur la présentation de mon petit frigo. Je suis super ravie d'avoir trouvé ce petit frigo. Enfin, mon chéri a trouvé ce petit frigo. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a peut-être donné envie de l'acheter. Je vous le remontre encore une fois. Il est vraiment très très beau. Il est très petit. Je connais des frigos cosmétiques qui sont un peu plus gros. Mais c'est vrai que celui-là ne prend pas beaucoup de place. Donc je le trouve pas mal. La petite poignée que je vous parlais, elle est là. Donc c'est pour le transporter. Et je le trouve vraiment génial. Donc voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire si vous allez craquer pour ce petit frigo ou un autre. Hein. Vous avez bien sûr sur d'autres sites, je pense que vous pouvez le trouver. Mais dites-moi tout en commentaire ce que vous avez mis dans vos petits frigos et si vous avez craqué pour en acheter un. Hein. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.